Ça fait des mois qu'on essaye de se faire entendre par cette présidence et ça fait des mois que cette présidence, elle refuse d'entendre nos revendications. Les étudiants-chercheurs en ont ras-le-bol et l'ont à nouveau fait savoir en se mobilisant ce matin devant le campus des quais de Lyon 2. Depuis cet automne, ils dénoncent la pénurie budgétaire et des retards de versement de salaire. J'enseigne à l'université depuis le mois de septembre et j'ai ni contrat, ni paye. Moi j'ai été payée en fin janvier, sauf que du coup j'ai vécu plus de 4 mois en fait sans salaire. Et donc du coup le problème c'est que je me retrouvais à faire les poubelles parce que j'avais même pas Pôle emploi, j'avais même pas le RSA, j'avais rien en fait pour pouvoir vivre, payer mon loyer, etc. Cette mobilisation à l'appel de différents syndicats étudiants est également nationale. L'objectif est de dénoncer les mesures d'austérité dans les universités, suppression de postes, dégradation des conditions d'études. Du côté de la direction de Lyon 2, la situation n'a rien d'alarmant. Les conditions de travail se dégradent. On assure quand même encore dans la maison quasiment 290 000 heures de cours. Il ne faut quand même pas considérer qu'aujourd'hui, on est là pour gérer la pénurie. Loin s'en faut. Il y a des nouveaux diplômes qui sont créés. Il y a des partenariats qui sont développés. Ce n'est pas une situation aussi dramatique qu'on voudrait bien le dire. D'ici quelques semaines, le ministère de l'économie doit annoncer les dotations pour les universités. Il manquerait plus de 100 millions d'euros aux facultés pour boucler leur budget 2015.